Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis dans le sud, à Malijai, avec ce nouveau Skoda Kamiq Monte Carlo. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je suis venu vous présenter cette nouvelle finition donc, sur le Kamiq, le Monte Carlo, la plus haute gamme. Je vais vous en parler un petit peu, on va faire de la route avec, surtout des routes sinueuses, puisqu'on vient suivre avec Skoda le rallye du Monte Carlo. Et oui, Skoda est là depuis les débuts du Monte Carlo. Ça fait 110 ans que ça existe, Skoda. Et ils étaient là déjà à la deuxième participation de ce rallye à l'époque. Et il me semble qu'il y a un petit peu plus de 35 Skoda engagés sur le rallye du Monte Carlo. On va en suivre quelques-unes. On va interviewer des pilotes, Monsieur Delecourt, et présenter en même temps cette voiture. Surtout ça, et je vais vous présenter la nouvelle voiture de rallye de chez Skoda, la nouvelle Fabia Rallye. Je vous donnerai les caractéristiques, je vais essayer de vous la montrer, et on va suivre quelques petites étapes pendant ce tour. Il fait pas très chaud, il fait moins 8 degrés là à peu près, je vous avoue que je me l'écris un petit peu. Je commence tout juste à retrouver ma voix, donc je vous donne les caractéristiques principales de cette voiture. Alors, elle existe en plusieurs finitions. On a la première qui est la Active, ensuite on a la Ambition, puis la Business, la Style et la Monte Carlo. C'est vraiment celle la plus haut de gamme avec quelques petites touches spécifiques qu'on retrouvera à l'intérieur, par exemple les sièges. Et je vais vous donner même toutes les spécificités de cette Monte Carlo. C'est tous les équipements série sur la Style, plus on a le Driving Select pour changer les modes de conduite, l'éclairage d'ambiance intérieure à LED blanche. On a des inserts décoratifs au look carbone, donc ce ne sera pas du vrai carbone. On aura des jantes 17 pouces de série, un kit carrosserie spécifique avec le sabot à l'avant et à l'arrière. Des coques de rétroviseur noires qu'on a un petit peu salies sur les petites routes enneigées qu'on va traverser. Le lettrage noir à l'arrière du véhicule. On peut voir également que la calandre ici est noire et pas chromée. On a une sellerie spécifique à l'intérieur, des rampes de pavillon laquées, des sièges sport, le toit vitré panoramique et qui est magnifique avec le vélum électrique et un volant spécifique où on retrouvera la petite indication Monte Carlo, tout comme des petits badges sur les côtés qu'on a Monte Carlo juste ici qui nous rappelle la finition un petit peu spécifique à cette voiture. Et pour ceux qui la reconnaîtront, derrière c'est la Fabia Monte Carlo qu'on a essayé sur la chaîne également, qui elle a le moteur 150 chevaux quand on l'avait essayé, et c'est exactement celle-ci. Elle a fait le déplacement jusqu'à dans le sud de la France, et on va aller jusqu'à Monte Carlo et suivre au col de Turini également toutes les aventures de cette nouvelle Fabia en rallye. Ah oui, parce que la Fabia, ils ont pris cette nouvelle plateforme qui amène quand même quelques petites nouvelles caractéristiques techniques. On va essayer d'en parler avec les ingénieurs. Je vous promets pas tout parce que c'est pas encore fait, ça c'est demain lorsqu'on sera sur les stands, mais on va essayer de vous décrypter un petit peu tout ça. Ce Kamiq, il commence à partir de 22 600 euros dans la finition active. Et pour un Monte Carlo, avec le gros moteur, on est à 33 690 euros pour un petit SUV. Assez sympa, hein. Skoda, ils ont vraiment bien évolué. Il y a toujours les petits trucs Simply Clever, le parapluie dans la portière avant conducteur. On retrouve dans la trappe à carburant le gratte-gratte, parce que ce matin, on a dû gratter. Petit avantage là-dessus. Et plein de petites options comme ça, des rangements sous les sièges à l'avant, à l'arrière, des filets un petit peu partout. Et plein de petites choses comme ça qui font que le Simply Clever, c'est un vrai avantage au quotidien. Au niveau des motorisations, on retrouvera 4 motorisations chez nous. Le 1 litre 95 chevaux, le 1 litre 110 chevaux, donc soit le 95 chevaux en boîte de vitesse manuelle 5 rapports, soit le 110 en boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Ensuite, on aura le 1 litre
pareil, en 110 chevaux, mais en boîte de vitesse automatique avec la DCT7 et pas la DCT7, la DSG7. Et on retrouvera la version 150 chevaux comme on a sur la Monte Carlo à côté, la Fabia Monte Carlo, le 1,5 litre 150 chevaux qui lui sera un 4 cylindres, un petit peu plus agréable et un petit peu plus péchu également, qui sera lui également en boîte de vitesse DSG7. Au niveau des dimensions de notre Camis qui fait 4,24 m de long, 1,98 m avec ses rétroviseurs et 1,55 m de haut avec les belles barres de toit qu'on a là. Et surtout, enfin, on a un beau toit ici qui est vitré, qui part de là jusqu'au bout en une seule partie. Et en fait, ça met une sorte de biton très sympathique à cette voiture. Et surtout avec le Black Pack, ça a quand même de la gueule. Donc je vous refais quand même un petit tour sur l'avant. Ici, contrairement aux autres Skoda, souvent c'est creusé à cet endroit-là. Et bien là, il est remonté pour avoir le badge ici en plein centre. Les feux en double partie, comme la plupart des nouvelles et surtout tous les SUV, avec le bloc optique ici, bien sûr, du full LED sur cette voiture, la calandre en full black, les aides à la conduite ici, puisqu'on a le travel assist, donc ça veut dire la conduite de niveau 2 grâce aux caméras là-haut, plus le détecteur ici qui a le régulateur adaptatif, plus le centrage de voie grâce aux caméras là-haut. Ensuite, on voit que tout est peint quasiment sur cette voiture. On a juste peut-être cette partie-là, toute petite, en plastique brut et les grilles. Mais sinon, tout est peint en laqué, c'est assez joli. Quand on nettoie également le pare-brise, on a les feux qui se nettoient. Ça, c'est vraiment cool. Simplicité, mais avec cette couleur orange, je trouve qu'elle se démarque bien. Ou même le rouge, la Fabia rendait vraiment cool. Sur le côté, petit insigne à Monte Carlo. Ici, on a des jantes en 18 pouces aujourd'hui qui remplissent bien les arches de roue. On a des pneus neige puisque montagne et loi montagne oblige. Et la couleur ressort vraiment super bien. Les reflets qu'on a, les couleurs pailletées, les contrastes. Très sympa la trappe à essence ici. Comme je vous dis, on pourra avoir la petite gratte-gratte. Au niveau de la conso, on est aux alentours des 6,5 sur les trajets qu'on va faire. Je vous donnerai les consos dès qu'on part en route, juste avec. Et le volume du coffre, donc je vous le montre tout de suite. On a 400 litres. Alors là, j'ai mon gros sac de rando qui tient sans problème, qui tient dans les deux sens. Et puis même avec mon sac à l'intérieur. Enfin, alors j'ai deux pantalons, ce manteau, une doudoune en dessous, un polaire, donc je suis pas très flexible, mais je rentre normalement sans problème. Merci Flo de nous avoir mis des M&M's. Des petits crochets, Simply Clever, les fixations Top Taser Isofix sur les côtés, des rangements de ce côté-là, un rangement de ce côté-là, la prise 12 volts, pas mal. Et lorsqu'on rabat les sièges, on arrive à 1395 litres. Allez, je vous emmène faire un tour à l'intérieur, découvrir un petit peu cet habitacle. Tout en mitouflé, je rentre à l'arrière. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Hop, et je viens m'installer ici. Alors, waouh, j'ai de l'espace. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Donc, on est dans un petit SUV, mais comme on peut le voir, ouais, je suis plutôt bien. Les sièges sont spécifiques à l'arrière également à ce Camic Monte Carlo, avec du rouge ici sur les côtés et une imitation un petit peu carbone. La banquette se rabat en 2/3, 1/3. C'est creusé un petit peu ici, ce qui me permet d'avoir le popotin bien maintenu en virage. Et c'est creusé également dans le siège, ce qui me permet que si mon conducteur se prend pour un pilote du Monte Carlo, eh bien, je serai plutôt bien maintenu. À l'avant, ils ont des sièges aussi assez sportifs. Des pochettes de chaque côté, deux ports USB. Et ici, un petit bout de clim. J'ai de la place pour les pieds. Il y a un tunnel central ici. La porte, alors quasiment tout en plastique avec un petit bout de tissu au niveau du coude, fenêtre électrique. C'est simple, mais c'est assez sympa. J'adore, on entend les voitures de rallye passer au loin. C'est très très cool. La cinquième place ici, alors donc il faut bien enjamber avec des grosses chaussures, c'est pas plus pratique. Mon petit pompon vient toucher là-haut, hein, seulement à l'arrière, mais en fait, si je me mets droit comme ça, j'ai de la place pour la tête. Alors c'est un petit peu plus dur ici au niveau de l'assise comme du dossier, mais en vrai ça pourrait le faire. Franchement, je suis plutôt bien installé et j'ai de la place pour les pieds. Regardez, mes grosses chaussures ici passent entre l'arrière et le rail, donc ça c'est plutôt pratique de ne pas avoir les doigts de pied relevés au niveau du rail. Donc je suis plutôt bien installé et on va faire un tour. Non, bon, je vous présente d'abord rapidement l'avant et ensuite on continue cette vidéo. On va faire un tour et on va découvrir tout ce rallye du Monte Carlo et la Fabia Rally. Allez, je vous emmène directement
Hop, donc les poignées, comme ça, quand on a la clé dans la porte, on peut verrouiller en touchant la petite rainure, le petit camique en seuil de porte, ma bouteille d'eau qui est en train de se dégeler parce qu'elle a passé la nuit par moins 10 degrés, des rangements ici dans les bacs, portière assez simple, plastique, un petit peu moussé sur le haut, du tissu ici comme à l'arrière, les fenêtres, les rétros, comme on connaît, le pédalier ici avec l'accélérateur et le frein, puisque boîte DSG7 sur cette version Monte Carlo aujourd'hui. Siège réglable manuellement. Moi, ça me dérange pas. C'est plus rapide, c'est plus pratique souvent. Allez, hop, je viens m'installer à l'intérieur. Surtout, regardez, quand je vais reculer le siège, c'est beaucoup plus rapide. Hop, allez, me voici à l'intérieur. Le logo Skoda ici, double écran, instrumentation entièrement digitale ici, digitale de ce côté-là. Et je vais démarrer, ça va me permettre de mettre le chauffage. Donc, le volant spécifique à cette Monte Carlo, comme on peut le voir ici, avec le badge Monte Carlo. C'est une marque déposée en plus, le Monte Carlo. Donc Skoda donne des sous à chaque fois à celui qui a déposé cette marque. Volant très sympathique, qui donne un look sportif avec les surpiques rouges. Vraiment joli, et comme on peut le voir là, avec le rouge du fond du compteur, ça fait le petit rappel, très agréable. Sur le côté gauche, option que je préfère en ce moment, c'est le volant chauffant. Le volant chauffant en plus sur trois positions, c'est très rare d'avoir la position sur le volant chauffant. Souvent c'est on-off, la commande vocale, changer de musique, le volume de la musique. Et sur la droite, ça va être changer d'écran, puisqu'on peut changer nos vues ici, avoir par exemple du GPS, des infos comme ça, plus ou moins restreint, plus ou moins simple. Il me semble qu'il y en a même un, voilà, c'est celui-ci, c'est le plus simple possible, avec juste votre vitesse et l'autonomie. Moi, j'aime bien avoir mon contour pour savoir à quelle vitesse je roule. J'ai des palettes derrière le volant qui vont me permettre de passer les rapports, puisque je peux passer en manuel si je veux. Les essuie-glaces à droite, les clignotants et les appels de phare à gauche. Le régulateur juste ici, donc je l'active de cette façon, plus vite, moins vite, ça va de 10 km/h en 10 km/h. Et pour régler la distance avec le véhicule qui me précède, c'est ça, moins, donc plus proche ou plus loin. Je peux set ici et voilà, on peut changer de mode également. Sur la gauche, on a les feux ici, bien sûr, un mode feu automatique. Je vous conseille de laisser ça, sinon ça c'est juste les petites veilleuses ou mettre vos feux si vous insistez ou si vous allez sur le côté, vous tirez comme ça. Donc là, hop, je tire une fois anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Et sinon, le mode auto, c'est très bien. Regardez là, ici, on a une sorte de finition carbone. Alors, ce n'est pas du vrai carbone, mais c'est plutôt bien fait, ça pourrait y faire croire. C'est juste un imprimé sur du plastique. Ça aurait été beau que ce soit du carbone, mais la voiture aurait coûté un petit peu plus cher si on avait mis du carbone. Pareil, la finition ici, moussée un petit peu partout. Très sympa. Écran de ce côté-là, avec des touches physiques sur le côté pour avoir des raccourcis, le volume également. Donc ça, on connaît. Des raccourcis de ce côté-là également pour la radio et autres. Ici, la clim et donc le menu climatisation. Donc quand je veux aller dans la clim, j'ai mes réglages rapides de température avec une clim auto. Soit je vais dans le menu climatisation qui m'amène vraiment au menu où je vais pouvoir choisir où est-ce que je vais me faire aérer, les températures, les vitesses, etc. Pour l'avant et pour l'arrière. Donc c'est bien qu'il laisse un petit bout. Moi, j'aurais bien aimé quand même avoir la puissance de ventilation ici. Ça aurait été parfait. Ensuite, un petit bac avec mes petites pastilles pour la gorge qui restent. Ici, où on peut poser son téléphone, deux ports USB-C. Donc, si vous n'avez pas d'USB-C, il existe des petits adaptateurs comme ça, USB-C à USB. Hop, la boîte de vitesse DSG7. Parking reculé qui m'active ma caméra de recul. Alors, caméra de recul, pas HD, ça c'est peut-être un petit peu dommage en 2023. Le neutre et le drive quand je bascule une fois vers moi. Si je retire une deuxième fois, regardez le tableau de bord, ça va passer en S puisque je passe en sport. Ou en D quand je retire une fois, donc sport, drive. Je bascule sur le côté, je passe en manuel, je peux passer mes rapports plus comme ça, moins comme ça, ou avec mes palettes au volant, plus ou moins à gauche. Hop, parking, mes drive mode ici qui vont me permettre de sélectionner éco, normal, sport ou individuel. Le mode éco sera très bien ou normal pour tous les jours, la voiture restera en mode normal. Désactiver ou activer le start and stop et les bip-bip, les radars de parking avec les bip ici. Le frein à main, bon ouais, on est au Monte Carlo, on n'est pas au Monte Carlo pour faire l'épingle. Double porte-gobelet ici, enfin voire triple avec les mini canettes et un petit rangement à cet endroit-là avec une petite mousse au fond et la prise 12 volts
Ici, les sièges ressemblent à ça. Oh, avec cette lumière, c'est joli. Donc, des sièges spécifiques ici avec des rainures là, une sorte de finition carbone ici en tissu et le rouge qui fait le tour. Les sièges maintiennent énormément. Regardez comme c'est remonté sur l'assise et également au niveau des côtés sur le dossier. Fixation ISOFIX ici pour les sièges bébés. Puis regardez, même les sièges à l'arrière ressemblent quand même. J'aime bien quand il y a une attention qui est portée également à l'arrière. Et regardez ça là avec ce beau soleil. Comme c'est joli. Le toit est vraiment très très grand. Ça me fait plaisir. J'aime beaucoup quand le toit est assez grand. Je ne vais pas montrer la boîte à gants. Boîte à gants assez spacieuse. Je ne suis pas sûr que la bouteille d'un litre et demi passe ici. J'aime bien qu'on voit le capot à l'avant avec la petite bosse. Là-haut, hop, le miroir. Pas d'éclairage par contre. Là-haut, l'éclairage. De quoi ouvrir ou fermer le store, LED et le SOS juste là-haut. Sur le côté, la petite poignée. Ici, des rétros. Alors dommage qu'il ne soit pas incliné un petit peu bombé le côté. Ça aurait été parfait. Et toujours chez Skoda, j'avais oublié. Là, ça, le petit rangement juste ici. Et bien sûr, hein, le parapluie qui est caché ici quand on ouvre la porte. Bon allez, c'est parti. On va l'essayer, on va découvrir les petites routes très sympas de cette région ici et suivre ce rallye. Allez, c'est parti à bord donc de ce Kamiq Monte Carlo pour aller suivre les spéciales du rallye. Alors j'ai déjà roulé pas mal hier, on a fait de Grenoble à Digne-les-Bains, on est passé par des petites routes et autres, moyenne à 6 litres 7 sur des routes de montagne et autres, on n'a quasiment pas fait d'autoroute, plutôt correct, parce qu'on a roulé, enfin normal, on s'arrêtait, faire des petites pauses et autres. Donc là, on va aller voir un rallye passer. On va y aller donc en voiture. Il fait moins 8,5. Ça gèle. On a pu gratter le pare-brise grâce au petit gratte-gratte qu'il y avait dans la trappe à essence. Vous pouvez voir encore là-haut, c'est encore tout gelé. C'est super joli. On voit tous les petits flocons. Donc, c'est parti. Allez, une boîte auto. Et let's go. Je suis les collègues qui sont devant avec la Fabia Monte Carlo, qu'on a essayé déjà sur la chaîne aussi. Et c'est exactement ce modèle qu'il y a devant, en rouge comme ça, très sympathique. Hop, alors je crois qu'il va falloir faire demi-tour ici. Ou est-ce qu'on va faire du tout terrain? J'ai l'impression qu'ils ont l'air de s'engager là-bas. Ok, on passe. Bon, de toute façon, moi j'ai une sorte de SUV, c'est un mini SUV. Donc ça passe partout. C'est quand même bien les caméras parce qu'on voit vraiment tout. Et c'est parti. Le rayon de braquage, plutôt correct. Là on est dans des petites rues hyper étroites. L'avantage de ce Kamiq c'est qu'il n'est pas hyper large. C'est vrai qu'avec le Kodiaq, ça aurait été peut-être plus compliqué. Bon. Boîte automatique, on sent pas du tout le passage des rapports. Ça, c'est un vrai régal au quotidien. La boîte auto, en fait, ça se fait de plus en plus parce que ça permet d'avoir toutes les aides à la conduite, le régulateur adaptatif, la fonction stop and go. On peut avoir de l'hybride aussi également grâce à ça. Et ce qui est plus compliqué avec des boîtes manuelles parce que la voiture peut pas gérer exactement comme elle veut. Là, je me suis mis les sièges chauffants à fond. Je vous avoue qu'ils chauffent peut-être même un petit peu trop. Il y a deux positions. L'idéal, c'est la première position, sauf pour le début, le mettre à fond. Mais après, ça me chauffe plutôt bien. J'avoue que par moins 8, c'est peut-être pas plus mal. On a bien sûr la fonction start and stop, donc là, elle n'y est pas parce que je viens tout juste de mettre le chauffage. Et la voiture vient de démarrer, elle est encore froide. Le volant chauffant, un régal. Ça, c'est vraiment l'option que je vous conseille absolument si vous achetez une voiture de nos jours. Parce que l'hiver, il commence à faire frais. Et c'est un vrai vrai plus. Chez moi c'est parti, je me mets mon régulateur adaptatif, 50 km/h en ville. Oh, c'est super beau les montagnes dès le matin. Franchement j'aimerais trop habiter dans ce genre d'endroit. Dommage que je dois prendre des avions assez souvent et aller chercher les voitures à Paris, mais sinon c'est tellement beau ici. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez d'ailleurs. Est-ce que vous êtes plutôt région parisienne, France, autre pays,
à la montagne, à la campagne ou de la ville. Dans les sièges, on est hyper bien maintenu. Alors là, en plus, j'ai le manteau, mais je ne bouge absolument pas. J'ai l'impression d'avoir des sièges sport, même au niveau de l'assise. J'ai l'impression d'être dans une vraie voiture de sport. Avec la petite texture ici, elle sort un petit peu carbone. Je ne bouge pas. En vrai, on pourrait la maltraiter et genre y aller à fond dans les sièges. En fait, on serait super bien maintenu. J'ai mon gros repose-pied sur la gauche. En plus, là, je suis les grosses Timberland. J'ai énormément de place. Ça donne envie de la pousser un peu. Alors, c'est la version 110 chevaux que j'ai aujourd'hui. Elle existe en 150 chevaux. Alors, au début, je me disais, la 110 chevaux, peut-être qu'elle manquerait un petit peu. Et en fait, en roulant cool sans la pousser, c'est largement suffisant. À 150 chevaux, elle aura un petit peu plus d'agrément moteur, parce que ce sera un moteur un peu plus gros. Là, on a le petit 3 cylindres, mais en vrai, pour le quotidien, il est parfait. On ne l'entend pas trop. Si on ne le pousse pas à fond, il n'est pas trop poussif. Là, je suis en bonne température, donc je passe en mode sport, par exemple. Et on entend vraiment le turbo qui souffle. Mais en vrai, si on ne maltraite pas, en conditions normales, ça va. Et encore, comparé à certains 3 cylindres, je trouve qu'il est quand même bien insonorisé dans son compartiment moteur. Parce qu'il y a certaines voitures des 3 cylindres, pour les enfants, on se dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors que là, si je pousse un peu, ouais, ça envoie. Et c'est pas désagréable. J'ai ma petite bouteille d'eau toute gelée ici. Je vais rester cette nuit dans la voiture. Qui bouge un peu, mais je vais repasser en drive. On a plusieurs choix, soit en drive, soit en sport. Quand je tire une fois de plus, ça passe en S ici. Donc ça veut dire que ça pousse un peu plus les rapports. Soit drive, ou soit je bascule sur le côté et je peux passer en manuel. Alors plus vers l'avant, moins vers l'arrière, ça c'est dommage. Parce qu'en plus là, on va avoir une spéciale de rallye. Et c'est une Monte Carlo. Donc au rallye, on sait qu'on tire vers nous pour aller plus vite. Et on pousse vers l'avant pour rétrograder. Bah oui, parce que j'accélère, je tire. Allez, 3, 4, 5. Et je freine. 5, 4, 3, 2. Mais là, ils ont fait plus vers l'avant. Ça, c'est dommage. Après, pour beaucoup de gens, ça peut paraître logique. Allez, je vais vers l'avant, plus vite, plus vite. Pourquoi pas? Il y a deux philosophies, mais je suis plus... Après, c'est pas une voiture non plus très sportive. Donc, comme c'est pas une voiture très sportive, je me remets mon régulateur 80 en boîte auto. Et c'est parti, je me laisse conduire. J'ai en option également le Travel Assist qui me permet de pouvoir lâcher les mains et la voiture a le centrage de voie. Donc ça, c'est un vrai plus. Donc il faut laisser les mains sur le volant. Mais là, par exemple, ça tourne. Je peux la laisser faire sa vie et elle se débrouille plutôt pas mal. Regardez, donc là, ça le fait. Et elle rond-point devant. S'il y a une voiture devant, elle va ralentir. C'est quand même assez agréable lorsqu'on a des longs trajets à faire. Et hier, on a fait 4h30 de voiture. Je vous avoue que moi, je conduis comme ça parce que ça évite également de se faire avoir par les radars. Donc là, par exemple, ça freine devant. Là, j'ai pas touché du tout au frein. La voiture ralentit, elle s'adapte à celle de devant. S'il y en a une devant, hop, clignotant. En virage, elle va pas accélérer n'importe comment. Tant qu'il y a de l'angle de volant, hop, je tourne. J'ai toujours pas touché au pied. Elle accélère, elle retourne se mettre à 80. Ça, je trouve que c'est un vrai plus. On devient feignant. Moi, je le suis clairement parce que je conduis tout le temps, tout le temps. Et en fait, quand on s'y fait, c'est ultra agréable. Alors, là, on est arrivé dans Maligé. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en gros, une ville où il y a un rallye qui passe. Et c'est ultra blindé. On est déjà genre bien moins d'une heure avant. Et c'est la cohue partout. Il y a des gens qui passent vraiment, absolument partout. C'est assez bluffant. Bon, on va voir comment ça va être directement lorsque les voitures passent. C'est là que ça va être assez intéressant. Alors le rallye, c'est en gros des voitures qui passent très vite. Pour accéder à une épreuve de rallye, regardez les amis, il faut aller faire des cascades. J'ai l'impression qu'on est en 14-18. C'est des tranchées pour essayer de se trouver une bonne place. Peut-être que là-bas, on aura une meilleure vue. Ça, c'est moi. Ouais. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a vraiment des gens de tout âge en plus, c'est assez bluffant. Et on va voir les voitures passer là, je me suis assis. Parce qu'il faut arriver quand même bien en avance avant de pouvoir voir les voitures passer pour avoir une place à peu près décente. Et encore, même une heure avant, c'est compliqué. Il y a des gens vraiment de tous horizons, de tout âge, des hommes, des femmes, des enfants. Assez bluffant.
Comme vous pouvez voir, vraiment, les gens bien équipés. C'est juste pour voir la voiture dans ce petit jeu. Un spot où il y a un petit peu de soleil, on voit un petit peu les voitures au loin. Ouah, le rallye, c'est quand même une aventure. Le plus dur, c'est de trouver un endroit comme ça. Et souvent, les gens restent au même endroit parce qu'il est spécial. On ne peut pas aller n'importe où, c'est assez compliqué. Donc, alors, je ne pas grand chose que sinon il fallait arriver très très tôt avant de lever le soleil. Il fait moins 8. Donc là, j'ai retrouvé ce petit endroit, pas trop mal. On voit les voitures faire le virage. Allez, ça arrive. La nouvelle scolarité. Alors, c'était très rapide, je vais vous mettre en slow motion pour en profiter. Facilement, je vous conseille vraiment les pneus de neige. Si vous habitez à la montagne ou même pas à la montagne, mais dès qu'il y a de la neige, ça vous sauve la vie. Et même quand il pleut et autres, c'est quand même un petit avantage. Bon, la route bien bien sinueuse, on va voir ce que ça donne. Allez, 110 chevaux, donc le petit 3 cylindres, ça pousse un petit peu. On a une direction plutôt sympa, et là je suis en mode normal. Donc je vais pouvoir même passer en mode sport puisque on a le choix avec cette voiture qui donne un petit peu plus de répondants, qui passe la boîte en mode sport automatiquement sans que j'ai eu besoin de la basculer, et la direction qui change un petit poil. Donc on a toujours le même freinage, mais on a une réponse à l'accélérateur un petit peu plus vive. Et on voit que c'est une voiture assez sympa, même pour ces petites routes. On va rester à 80. Maintenant, il y a une voiture qui vient juste de s'insérer devant nous. Sur les routes de montagne, c'est pas forcément facile de doubler ensuite. Ok, elle est vraiment pas braisée en plus. Non. Nickel. Allez, on double. Donc on voit que la voiture prend peu de roulis en plus. C'est sympa, au freinage, c'est plutôt léger. L'accélération, on sent qu'on n'a pas une voiture vraiment sportive. Et ça se débrouille plutôt bien. Ça s'ouvre un petit poil. Bon, après, on est en pneu hiver. Le freinage, ça se passe bien. C'est plutôt sympa. Bon. On sent que ça y va progressivement. On appuie sur les freins. C'est sympathique. Ça se veut pas sportif. Si vous voulez un petit peu plus de peps, la version 150 chevaux sera à privilégier. Et comme on le voit, en fait, ça fait largement le boulot, parce que qui roule comme ça tous les jours, à part et encore, je dis ça, c'est juste pour la vidéo, parce que sinon je roule comme un papy. Et on a un petit peu de reprise, plutôt pas mal. Le collègue avec la Fabia doit s'amuser un petit peu plus. C'est un petit peu plus compact, mais en tout cas on se fait plaisir. Ouh là là, ça tourne beaucoup. Bon allez, maintenant on va voir ceux qui font vraiment du rallye. Là, ce qui est assez énorme, c'est qu'on est dans Monaco et il y a les voitures de rallye directement en ville. Oh, c'est juste fou. Non, c'est juste dingue. Là, il y a 4 voitures de rallye devant nous. Où il y a tous les pneus Pirelli avec un stand Pirelli, et on est vraiment au pied de Monaco avec tous les yachts, et on va aller au service park qui se trouve un petit peu plus loin là-bas. Alors ce qui est énorme avec le WRC maintenant, le Rally 1, c'est que c'est des voitures hybrides, donc quand ça passe comme ça, pas un bruit.
Et il y a des endroits aussi, donc là dans le parc, où on peut acheter ces petits goodies. Fermé avant que les gens arrivent directement aux endroits pour pouvoir aller checker leur voiture. On peut voir là les voitures. Donc là c'est le Rallye qui est ici, notre voiture avec les contrôles techniques. Alors là, on a la voiture de François Delcourt. Chose assez exceptionnelle, regarde, je me trouve dans le parc fermé. C'est fou parce que ça nous ouvre comme accès immédiat. Donc, Skoda, juste ici, cette version, un Rallye. Il y a également une autre version ici, les anciennes versions. On peut voir qu'il y en a plusieurs. Également, une version ici. Il y a une autre Skoda. Là-bas. Avec la rampe de feu, lui, une Citroën qui s'en va, de l'équipe française. Hyundai, donc principalement en Rallye 1, il y a trois teams. Il y a Hyundai, Toyota et Ford. Après, donc il y a plusieurs types. Il y a Rallye 1, 2, 3, 4, 5. Comme on a pu le voir, on a essayé la Clio Rallye 3 il n'y a pas longtemps. Là, on peut voir. Et là, la nouvelle, ici avec monsieur François Delcourt, à qui on va poser quelques questions après. J'espère que ça vous plaira. Avec la nouvelle voiture, la Rallye 2. Là, il y aura un petit peu plus de lumière tout à l'heure. On peut voir Skoda avec du carbone un petit peu partout. Là, regardez, monsieur est très très sympathique. Regardez. Pierre. La photo, puisque voilà, le monsieur est un petit peu. Oh putain, non, la pierre, la déco est très sympathique. Elle a pris la photo, j'ai vu pas. L'aileron. Et donc le parc fermé où là les pilotes attendent ici avec leur voiture avant de passer toutes les inspections techniques juste après. Bon, alors je vais vous présenter donc cette nouvelle Fabia Rallye 2. Donc là on l'a en configuration avec les feux puisqu'il y avait une spéciale de nuit au Monte Carlo. Donc basé sur le nouveau châssis de la Skoda Fabia. Donc là on a François. Donc les nouveaux feux, la nouvelle plateforme, le nouveau châssis, la calandre qui est en forme de ce qu'on a vraiment sur maintenant les nouvelles Fabia. Les feux pareil, donc très sympa. Grosse grille ouverture l'avant. On voit qu'on a un petit peu d'appui très léger ici et surtout en dessous une sorte de caoutchouc qui permet de faire un petit peu plus d'effet de sol. Gros radiateur derrière puisque là on est sur une vraie voiture de rallye et on a un moteur 1,6 litre à l'intérieur qui est basé sur le 2 litres que l'on retrouve sur les autres modèles Skoda, les versions RS par exemple. Et là, la voiture avance un peu et elle va faire son check-out. On peut voir sur l'arrière également qu'elle a les feux de la Fabia. Donc, la voiture est censée reprendre en gros, grosso modo, les lignes de la version série pour qu'on puisse la reconnaître le maximum possible. Donc à l'arrière, on retrouve toujours le siglage Skoda. On l'a en noir comme on a essayé sur les versions Monte Carlo dans cette vidéo. Les feux, bien sûr, à LED ici. L'échappement ici à l'arrière avec l'anti-lag, etc., etc. Tout ça puisque c'est une vraie voiture de rallye. Le coffre, bah, pas d'ouverture, mais les attaches ici de voiture de sport. L'aileron en carbone là-haut parce que ça, ça joue énormément. En rallye, on peut voir qu'il a des jantes de deux couleurs différentes puisqu'il a sûrement changé de pneus. Des jantes au Z-Racing, jantes allégées et bien sûr des jantes forgées. Et donc le moteur fait 289 chevaux et il y a une boîte de vitesse 5 rapports bien sûr en boîte totalement séquentielle pour la rapidité. Donc là, on a une autre version avec une déco différente puisque selon les teams, les gens peuvent personnaliser avec leur sponsor puisque beaucoup de gens roulent grâce au sponsor puisque c'est un sport qui coûte très cher. Au niveau de la suspension, il y a plusieurs types de suspension, tout comme au niveau du freinage, selon si on roule sur terre, sur asphalte, sur glace, tout est différent, il faut des réglages bien différents. À l'arrière, on peut voir que cette partie sont ouvertes pour amener un petit peu d'air dans l'habitacle.
Et pareil, pour la prise d'air sur le haut, c'est fait pour surtout amener de l'air dans l'habitacle. Profitez également de l'aileron ici. Très belle pièce ici en carbone, on peut le voir. On pourra noter des élargisseurs d'ailes. Donc, le fait d'élargir la voiture, c'est que ça va mieux tenir en virage, parce que plus la voiture est large, mieux ça tient. Et pareil, plus elle est posée, donc on va abaisser en même temps tout ça. Donc, voiture plus basse, plus large, ça fait qu'en virage, ce sera beaucoup, beaucoup plus stable avec des suspensions, bien sûr, très spécifiques. Donc là, ici, on peut voir que tout est en cours de maintenance. Donc, changer les freins, changer les pneus, changer tout ce qu'il y a, re-régler les barres ou la suspension, peu importe ce qu'il y a. Par exemple, l'éclairage, l'éclairage. Si par exemple il y avait un petit défaut sous seulement ou autre, ou juste l'enlever puisque demain matin il n'en aura pas besoin. Donc là on voit qu'on check l'alignement, alors c'est assez fou, ça au fil, que ce soit pas au laser, donc bluffant. Je ne sais pas où. Il y a par exemple des supports à mettre sur le côté pour pouvoir tester le carrossage de là-haut. Très impressionnant. La suspension, on peut la voir là. Une suspension asphalte aujourd'hui. Hein. Beaucoup plus raide. On ne voit pas trop de gêner. Et on voit que ça bosse, que ça recheck un petit peu tout. Le fond. Déjà pas. Donc là, on check le serrage des bols par exemple. Mais il y a un temps vraiment, vraiment à partir qu'on n'a pas le droit de dépasser, que vous retrouvez sur cet écran. Donc là, on voit le temps qui se découle, 45 minutes et pas une seconde de plus. Il y a des gens qui checkent ça. Et on peut voir que c'est comme ça pour tous les stands. Donc il y a un temps parti, donc là par exemple on voit qu'il reste que 25 alors qu'il avait resté 40. Il y en a par exemple 25, 37 là-bas, et donc chaque personne a un certain temps avec chaque voiture et tout le monde ne peut pas bosser ensemble. Et selon les équipes, on pourra voir par exemple chez Toyota, je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque équipe avait le droit à un certain temps et il y avait 12 mécaniciens pour les 4 voitures et ils avaient un temps imparti par voiture. Et si par exemple il y avait une voiture avec plus de problèmes, bah, les 12 pouvaient venir dessus, mais il fallait faire attention sur les autres pour ne pas les pénaliser. On peut voir, une arrivée, et bien à peine arrivée. Possible. Et il faut aller vraiment le plus vite possible. Allez. Donc le système, vous pouvez pas la laisser en l'air, mais vous voir des chandelles, mais beaucoup plus hautes. De ce côté-là, on a tout le stock de pneus, donc il y a un stock de pneus limité. On n'a pas le droit d'en utiliser plus et tout le monde a les pneus, c'est du Pirelli. Et là, il y a le choix, comme on peut le voir. Là, on voit la différence entre des pneus pluie, donc humides, et des pneus semi-slick pour du sec. Allez, on rentre, on va se coucher pour la spéciale de demain. Là-bas, il y avait toutes les voitures. On est dans le petit coin calme de Monaco. C'est un petit peu plus luxueux, avec cette belle vue là. Waouh. Et là, on est arrivé au sommet du col de Turini. Vous avez déjà vu quelques vidéos, on avait privatisé la route plusieurs fois ici. Et la dernière fois, je suis arrivé avec une Toyota. On avait fait donc la vraie spéciale du col de Turini sur la montée. Et on est arrivé ici. On l'a fait avec le Kia EV6 également. Et on était allé rouler avec les petites Toyota Supra par ici, pour ceux qui se rappellent. Bon, donc là, on va voir les voitures passer ici. Et on a le finish juste là. Donc, plutôt sympa. Hein. On peut voir qu'il y a un petit peu de gomme. Donc, c'est que ça passe un poil fort. On les entend arriver d'assez loin. C'est sympa de les voir arriver. Petite compression spéciale. Bon, un jour je filmerai vu de là-haut, ce serait quand même plus cool, mais avec la caméra pareil. Imaginez sur mécanique sportive un jour comme ça, ce serait ouf.
Et voilà à quoi ressemble la petite ambiance avec un petit peu du feu pour se réchauffer, des petits fumées pour la chaleur. Et il y a quand même pas mal de monde. C'est vraiment un sport qui ressemble beaucoup de monde et tout au long de route et un petit peu partout. Ça fait plaisir. Donc le petit feu pour se réchauffer les doigts de pied avec un mix de neige, de glace. Et des petits feux à chaque fois partout, c'est très bien. L'ambiance pique-nique, il y a à boire, à manger, tout ce qu'il faut. À l'oreille. Ils savent exactement le virage, comment le passer. Si c'est à fond, pas à fond déjà, on l'entend au bruit de la vidéo, le rapport engagé, ils n'ont plus aucune improvisation. Ouais. C'est nos limites, ça va très loin dans les corps parce que les bagnoles elles sont devenues exceptionnelles. Mm-hmm. Moi j'ai rien à dire, la voiture, c'est complètement fou. T'as l'impression c'est du pilotage circuit en fait. C'est du pilotage circuit. Sur route, c'est du pilotage circuit. Ouais. Sauf qu'on a en plus de la gravette, du gravier, des plaques d'humidité, y a tous les ingrédients du rallye quoi. Donc c'est compliqué. D'ailleurs, Lub m'avait dit qu'entre le début de sa carrière il a vu l'évolution et la fin, effectivement. Lub c'était un précurseur aussi à bosser comme ça. Sauf que lui il bossait les vidéos, eux ils bossent virage par virage. Ouais. Et quand ils sont sur les liaisons, ils ont l'écran là dans la voiture. Ouais. Pour se préparer pour la spéciale. Ouais, c'est presque comme du jeu vidéo en fait, on a l'impression. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pilotes, alors notamment en rallye raid, tu peux avoir Peter Hansel qui lui a un palmarès aussi incroyable et qui a une longévité comme vous en fait dans sa discipline. Et ouais. Il me disait qu'effectivement, il est très différent des jeunes pilotes dans le sens où il n'aime pas beaucoup. Mais comparez pas le rallye raid. Mais c'est vrai que c'est un peu le rallye raid, c'est le rallye promenade à côté de ce qu'on fait là. Ouais. Ouais. Sincèrement. Non mais je vous le dis, ça ne comparez surtout pas. C'est un mauvais exemple. Le rallye raid, l'homme il se promène devant, il n'est pas à 100%. Ouais. Et il leur met tout ce qu'il veut, sauf qu'il n'a pas compris encore le truc, ou il n'a pas de chance, bref, et il sort à la tchac. Mais les vitesses du rallye raid, ça. Oui, c'est vrai que là, la concentration est bien supérieure. Non, mais la vitesse d'exécution, mais c'est incomparable. On ne peut pas rouler comme ça en rallye raid. D'abord, les voitures de rallye raid, elles sont arrêtées à côté de ces voitures-là. Ça n'avance pas. Et d'ailleurs, j'étais curieux de savoir de quelle manière vous vous préparez, enfin, à la limite, au début de votre carrière, de quelle manière vous prépariez physiquement, mentalement, et est-ce que ça a changé aussi? Mentalement, je ne pose pas de questions. C'est-à-dire, je ne suis pas non plus cette génération, aller voir le psy, le machin, le truc et tout. Ouais, ça, c'est un truc de jeune pilote. Beaucoup, en revanche, je suis préparé physiquement par le vélo. Ok. Où là par contre je les attends en vélo tous. D'accord. Tellement j'ai une condition physique en norme où je fais du vélo tous les jours. D'accord, tous les jours. Et pour que les gens se rendent compte, vous faites combien de kilomètres juste pour. Pas loin de 13-14 000 par an mountain bike. Ah ouais, ça, ouais ça, pas de la route. Et du coup par semaine ça fait. Moi, demain, ce soir on me dit de faire 60 km, même de nuit, là, je pars, d'accord. Je suis pas fatigué. Okay, okay. Donc ça m'aide aujourd'hui à continuer à faire ma discipline. D'accord. Et pardon, vélo tout terrain donc ou vélo de route je vous dis du tout terrain, du mountain bike. Ça, du mountain bike. Voilà. Et puis ça j'imagine c'est bon pour l'ensemble du. C'est ce qui me permet de continuer aujourd'hui à mon sport. D'accord. À 60 ans d'être en pleine forme parce que je. Et ce soir, je ne suis pas fatigué du tout. C'est ça. Parce que pour être un bon pilote de rallye, il faut aussi être un bon sportif par ailleurs. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me permet de continuer à rouler. J'ai pas de problème d'œil, de vue. Ça, c'est très important. Ouais. Lub avait une très bonne vision, vous aussi. Et est-ce que vous faites des exercices de concentration, non. Je veux dire de réflexe. Je me pose aucune question. D'accord. Ah ouais, mais c'est une chance, ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes qui font beaucoup d'exercices de réflexe. Oui, je sais, ils font des tas de trucs. C'est probablement bien, mais c'est pas notre génération. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant. Et alors, à part le vélo, est-ce que vous faites d'autres sports? Non, je fais que du vélo parce que je fais que ça. Je fais 400 par semaine, donc je pédale tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, je pédale et je fais les courses. Ouais. Je fais le Roc Azur, je fais des courses dans le désert de 700 km.
on porte vélo dans les dunes à 40 degrés, enfin des trucs extrêmes. Hein. Ouais. Là, je prépare une course au Maroc en avril. D'accord. C'est 700 bandes dans la semaine, 100, 120 bandes tous les jours. Ouais. Où tu portes vélo dans les dunes, tu dégonfles, tu regonfles, c'est le Dakar, ah ouais, mais en vélo. Je comprends mieux pourquoi, ouais, après une journée comme ça, vous dites que vous n'êtes pas crevé, parce qu'en fait, c'est de la balade. Je me souviens, à l'époque, en Corse, vous faisiez, mais en tout, c'était du 1500 km. Ici, moi, j'ai fait 900 km de chrono. C'est ça, 900 de chrono. En Corse, c'était 1300, je crois, de chrono. Rien à voir. Donc, c'est ça, 500 km de chrono par jour. Là, on se demande ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et je pense que c'est l'inconvénient d'avoir toutes les règles spéciales retransmises à la télé, en fait. Ça a un peu aseptisé le truc, c'est pas ce que vous en pensez. Les gens maintenant peuvent le suivre. C'est la société d'aujourd'hui, c'est comme ça. De toute façon, on peut pas lancer la pierre. Les jeunes, ils ont compris comment ça fonctionnait. Donc, c'est notre méthode, c'est plus du tout le même job. Ouais, c'est sûr. C'est un autre job. Alors, pour parler du Monte-Carlo, qui je pense, c'est. Quel est votre rallye préféré au calendrier? J'imagine c'est le Monte-Carlo. J'aime bien, ouais. Malgré tout. Ouais, je l'ai fait 24 fois. Et ouais, c'est assez impressionnant. Bah, là, c'est le 24e. Effectivement, si je me souviens bien, vous avez gagné aussi en Corse, au Portugal et en Catalogne, ouais, par exemple. Ouais. Et je me demandais si, est-ce que vous seriez tenté pour faire un autre rallye autre que Monte-Carlo à l'heure actuelle? On essaye, là, de... Ouais. Voilà, le chef d'orchestre il est là. Ok. Et on essaye de refaire pas mal de rallyes cette année. Ça marche, parce que mon interview, du coup, elle paraîtra peut-être dans le magazine dans un mois ou deux mois. On va faire le master. Ok, et comme l'interview paraîtra peut-être en février-mars, je voulais savoir quelle était votre actualité, vous pensez, des prochains mois, peut-être. Alors, pour régler, que jours, les gens. Voilà, dans 15 jours, je suis à Spa, okay, avec une escorte groupe 4, mais en historique. D'accord. Je suis invité là-bas. Après, je fais un rallye chez moi dans la région en Porsche. Ok. Dans la foulée. Donc, ça me permet. Là, je suis très content parce que ça me permet de rerouler à nouveau. Ouais, et vous roulez beaucoup, la Porsche. Ouais, mais je roule pas assez globalement. J'ai besoin de rouler. Et puis, le problème qu'on a tous les deux et qu'on a. Et donc, vous roulez aussi avec ça. En général, c'est que je change trop de bagnole. Ouais, c'est ça. Je suis dans une Skoda, après j'ai une Porsche, et je voudrais vraiment me fixer sur une auto. D'accord. Et rouler longtemps avec la Skoda pour progresser avec la voiture. D'accord, effectivement. Ouais, alors justement, d'où ma question suivante. Par exemple, la Fabia, est-ce que vous avez eu un temps d'adaptation sur les points spéciales ou vous êtes tout de suite rentré dans le rythme? On est tout de suite rentré, mais pas pour être comme. Pas pour jouer avec eux. Ouais. C'est pas la voiture, c'est pas le problème d'adaptation à la voiture, c'est la route. D'accord. On parle des voitures, mais c'est pas important à côté de la connaissance de la route. D'accord. De savoir où on met les roues à 180, où on freine, où on braque, où on tourne. Il n'y a plus d'impro. Ouais. C'est 20 bornes que les gamins connaissent par cœur. Mais par cœur, ils récitent. L'homme, il est capable de réciter des routes par cœur. Ouais, et vous, c'est tout simplement pareil. À l'époque, l'homme me disait, premier passage, on faisait des corrections, etc. Et on allait plus vite dans le deuxième. Alors que là, on a l'impression que dès le premier passage, ils connaissent. Et ils sont allés plus vite de nuit que de jour. Ouais. Au deuxième passage de nuit, ils ont été encore plus vite. Ouais. Alors qu'on était déjà comme ça tout à l'heure. Ouais. Ils sont allés plus vite de nuit. C'est invraisemblable. D'aller plus vite de nuit, c'est incohérent. Ouais. À part de déboulonner, quoi. Ouais. Et je voulais savoir, pour cet engagement à Monte-Carlo, est-ce que vous avez hésité entre une rallye 1 donc hybride ou cette voiture de rallye? On avait le budget pour rouler avec la WRC1. C'est ça, avec la Puma, il me semble. Mais il n'y avait pas de disponibilité. Ah mince, d'accord. Wilson nous a dit non, c'est impossible. Ah mince, d'accord. Et l'hybride, c'est quelque chose qui vous tente en fait? Ouais, j'aimerais bien faire un rallye avec, quand même. Ouais. D'accord. Parce que c'est. Ok. J'aimerais bien. Et justement, avec Malcolm Wilson, vous pensez avoir peut-être une opportunité cette saison pour un rallye suivant? On essaiera, j'aimerais bien. Et ce serait quoi? Parce qu'il y a le Portugal, je crois, notamment. À un moment donné, on en parlait. Il y a le Portugal, de nombreux rallyes la saison, en partie surtout du championnat de terre. Parce qu'en fait, votre préférence, elle irait plutôt à la terre ou à l'asphalte globalement? J'aimerais bien faire de la terre un peu, ouais. D'accord, ok. Donc là, le Portugal, ça pourrait être une option, a priori. On essaie. Ouais. C'est l'option principale à la base avec le rallye Monte Carlo. Ok, d'accord, cool. Et le Portugal, c'est au mois de avril ou mai. D'accord, très bien. Les budgets sont. Ouais, c'est ça, c'est colossal. Mais en Portugal, votre objectif, ce serait avec une Rallye 1, une Puma, donc si c'est possible. Sauf si on continue là avec eux, avec la Skoda, pour faire 4-5 rallyes, quoi, le Master. Effectivement. Alors là, justement, je suis les Skoda, j'ai fait un road trip avec la version civile, hein, évidemment, mais avec Finition Monte Carlo depuis Paris, avec mes amis de Skoda France. Et je voulais savoir pourquoi, en Rallye 2, vous aviez choisi l'équipe Skoda plutôt que peut-être une Ford, une Citroën? Parce que je pense que c'est la meilleure auto, actuellement. C'est d'accord. La meilleure équipe, là. Ouais, là c'est la première rallye de la toute nouvelle Fabia, d'ailleurs, il me semble. Non, c'est la meilleure équipe. D'accord. Je pense, et puis j'avais des doutes sur la Citroën parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas facile à conduire. Ouais. C'est ce qu'on m'a expliqué en tout cas. Moi je les avais toutes essayées pour
Canard à l'époque Échappement. Ah oui. Où j'écrivais effectivement, les articles. Ouais, j'ai pas mal lu, gamin. Voilà. Mais bon, j'ai essayé un certain temps et déjà à l'époque j'avais eu ce feedback avec la Citroën qui me paraissait très complexe. D'accord. Ouais, effectivement, ouais, j'ai fait pas mal d'essais pour être vraiment de thèse. Ouais. J'écrivais pas mal d'articles jusqu'au jour où Michel Hommel a vendu. Ouais. Et donc bon bah j'en ai arrêté, mais j'aimais bien faire ça. Effectivement. Et là c'est une grosse structure Talksport en fait, parce qu'ils m'ont aussi. C'est dingue, c'est comme énorme. Une équipe d'usine presque. Enfin, voilà. Énorme. L'an dernier ils avaient 5 voitures au maximum et là ils ont 7. Malheureusement il y a donc Samy Pajari qui est malade. C'est et donc, super vous êtes 6 au départ. Ouais, c'est sympa. C'est super pro. Alors justement, je voyais que vous avez l'occasion d'échanger, parce que ça dépend. Ça dépend des sports mécaniques, il y a des domaines où les équipiers n'échangent pas entre eux. Là vous parlez avec Oliver Solberg très facilement. Oh bah il y a une ambiance avec les gamins sympas. Ça c'est top. Hein. Et ouais. Ils sont pas tous très ouverts, mais Oliver, ouais. Il est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Je me demandais, voilà, vous parlez pas forcément avec tout le monde, mais est-ce qu'avec Oliver ou d'autres, vous échangez des petits conseils sur votre expérience à vous ? Ben, j'essaye de comprendre, oui. Il est très ouvert, en plus, il me donne des filons. Cool, et dans ce domaine, il a plus d'expérience que moi, puis, forcément. Bon, il y a son père, Peter, aussi. Peter, que j'adore, on s'entend bien aussi. Voilà, c'est une super famille. Quoi. Et qu'est-ce que vous apportez mutuellement entre des pilotes comme ça qui moi, j'apporte pas grand-chose, parce qu'ils ont... dans ce créneau précis, plus d'expérience que moi. D'accord. Ils connaissent mieux la voiture, ils connaissent mieux les rallyes, donc c'est du pain béni quand je l'écoute. Ouais, j'imagine. Et vous, toute votre expérience accumulée, est-ce qu'elle vous sert dans certains domaines actuellement? Elle me sert de manière sécuritaire, c'est-à-dire que bon, jusqu'ici, je fais pas de faute parce que j'ai cette expérience-là, mais ce qui me manque pour aller à leur vitesse, c'est travailler les vidéos. Travailler. Et c'est difficile pour notre génération. Ah bah ça j'en doute pas. Ouais. Je c'est le clair. Fais, c'est clair. Mais de manière beaucoup moins approfondie qu'eux. Ouais, ça n'a rien à voir. Et vous le faites quand même un petit peu. Ah je fais, ouais. C'est ça. D'accord. Ce soir je vais rentrer à l'hôtel et je vais vous quitter rapidement pour ça. D'accord. Pour aller bosser un peu quand même les vidéos. Mais eux, ça va très loin. Et vous le faites pardon, tout seul ou avec Sabrina en fait? Avec Sabrina. Toujours en binôme. Oui, c'est ça. C'est ce que d'autres pilotes de rallye m'expliquaient à chaque fois. On modifie les notes à la vidéo. D'accord. Mais c'est très astreignant. C'est fastidieux, c'est chiant possible. J'imagine. Et alors oui, vous avez eu au cours de la carrière beaucoup de copilotes, de Anne-Chantal Powels à Sabrina. Et je crois que c'est quasiment une dizaine au plus haut niveau de copilotes que vous avez eu, quasiment une dizaine. Certains plus longtemps que d'autres, mais je voulais savoir, est-ce qu'avec chaque copilote, vous avez une manière de travailler différente ou est-ce que non. C'est toujours la même non, façon, c'est toujours en fait. Pareil, sauf qu'elle, elle a un talent fou, quoi. Elle est vraiment, et croyez-moi, il y a aussi peu de bons coéquipiers à ce niveau-là que de bons pilotes. Ouais, non, c'est impossible. Et la preuve en est, c'est regarder la valse des... copilote qui a régulièrement, où j'y échange, l'homme a changé, Loubet a changé, ils se les piquent entre eux, enfin, c'est un gros bordel. Marché des transferts. Ingracia qui est parti, apparemment ils ne s'entendaient pas, enfin, il y a tout un bordel et c'est très alors, très difficile. Disait, vous, ça fait 4-5 ans que vous êtes en équipage ensemble, c'est ça? Elle m'apporte beaucoup parce que dans l'auto elle est d'une sérénité mais absolue quoi. En fait, c'est ça, ce qui est important, c'est d'être complémentaire en général entre pilote et copilote. Donc, ce qu'elle vous apporte, c'est de la sérénité. Vous avez un et tempérament puis, de professionnel hors en fait. Norme. Elle est. D'accord. Elle ressent. Elle ressent les choses, elle ressent la technique, elle ressent le pneu, elle ressent plein d'accord. de choses à côté. Et pendant les spéciales, entre les spéciales concrètement, ça se matérialise par quoi De l'échange et des choix de pneus, on discute beaucoup. D'accord. Ouais, on discute beaucoup. Elle est souvent opiniâtre de ce côté-là. Elle a souvent les bonnes. D'accord. Des bonnes décisions, même si là aujourd'hui je suis pas trop d'accord, on s'est un peu gaufré là dans les dernières. Ok. Mais bon, globalement. À cause de quoi globalement, la météo Non, mais on est parti sur un choix. On a pris une gomme très tendre, on a croisé, et dans la dernière, ça nous a pénalisé quand même. D'accord. Pas énormément, mais on perd certainement une dizaine de secondes. D'accord. Et en quoi vous vous épanouissez, par exemple, sur Rallye Monte Carlo? C'est quoi les domaines dans lesquels vous. Au volant évidemment, mais précisément, qu'est-ce qui vous plaît comme ça sur ce rallye? C'est la passion de ce métier, l'adrénaline. C'est un métier qui m'a tellement fait rêver, mais c'est même s'il est tellement éloigné de mes débuts, quoi. C'est plus le Monte Carlo dont je rêvais la nuit, des nuits entières sur la route, la glace, la neige. Les milliers de spectateurs, les centaines de milliers. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, moi. Sincèrement, il n'y a plus personne. En tant que média, c'est vrai. Regardez là, il n'y a plus personne. C'est ça. On ça a perdu tué un peu de son âme, c'est dommage. On l'a cassé, c'est d'une tristesse inouïe. C'est ça, c'est un peu comme tous les sports mécaniques en fait, la professionnalisation. Et puis le côté barrière partout, mais laisser les gens vivre, arrêter, ce cirque. Le côté aseptisé, vous en parliez. Mais ça, je ne peux plus supporter, moi. Quand je vois des gens, je leur dis rentrez, on n'en a rien à foutre, revenez nous voir, rentrez. Pour ça, ça fait plaisir. Promiscuité avec le public. C'est ça, ça fait plaisir d'avoir un entretien avec. Mais elle est importante. Faut parler, arrêter. Alors les jeunes, ils n'ont pas connu ça, donc eux, ils disent plus rien. Ouais. Ils sont flat de chez flat. D'accord. Mais au bout d'un moment, il faut reconnaître que la discipline, elle va battre de l'aile. Et elle est en train de battre de l'aile. Ouais. Et pourquoi
forcément à juste titre, parce que les gens ne viennent plus. Ils n'ont plus envie de venir là, on les interdit, il faut les passes, il faut les machins. C'est un sport d'élite, il y a 75 bagnoles, il en faudrait 250. Ouais. Ça fait plus rêver. Kilométrage trois fois plus élevé. On veut plus d'amateurs, on veut plus de. Et pourtant, c'est la source même du rallye. Quoi. Ouais. C'est ça, l'amateurisme. Moi, j'ai fait des Monte-Carlo, alors je parle comme un vieux con, mais on avait 900 bandes de chrono, on était 300 engagés. Ah ouais. Non, c'est sûr. Et on arrivait au parcours final, c'était les 100. Les 100 premiers, c'était magique. Ouais. Et j'ai plus ce côté-là. Ouais. Ni en reconnaissance, on s'arrête plus dans les auberges, les hôtels, les machins. Ils bouffent dans leur motorhome, ils ont le temps de rien. On est là, confinés dans nos espèces de trucs qui servent à rien, en définitive. Pourquoi ça sert à rien? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils font ça, on les voit pas de la journée. C'est vraiment le partage. On les voit pas de la journée, les mécanos, ils s'emmerdent. Ouais. Ils ont rien à foutre. Mais ils ont des structures, là, ils ont des buildings, les Hyundai et tout, mais c'est du pipeau, ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai. C'est que de la frime. D'apparat que personne regarde en définitive, il n'y a personne. Ouais, ça fait plaisir parfois de voir qu'un team comme M-Sport, qui est un peu à l'ancienne, avec Malcolm Wilson, un vrai passionné, parfois peut concurrencer des grosses. Ouais, mais il a du mal, hein. Maintenant, mais il s'aperçoit que c'est un vrai, sous-traitant, c'est vrai, hein. Il va pas à chier, c'est un sous-traitant, en espérant qu'il reste, et que Hyundai non plus jette pas la clé sur la porte, parce que là, on est dans la merde. En tout cas, ce serait bien de vous voir au volant. Je veux dire, la catastrophe, là, qui démontre bien l'ambiance du rallye aujourd'hui, Sébastien Loeb, qui est un ami, n'est pas au départ du rallye, chercher l'erreur. Et pourquoi il n'est pas au départ du rallye? Parce qu'on lui a rien proposé, ni plus ni moins. Effectivement. 9 fois champion du monde, le mec, il n'est pas au départ du rallye dans des Carlo. Mais c'est dramatique. Et d'ailleurs, beaucoup de spectateurs ne comprennent pas souvent quand on parle avec eux. Quoi. Voilà, c'est... Parce qu'aujourd'hui, il faut plus de talent, il faut du fric. C'est tout. Ouais, effectivement. Il y a 20 ans en arrière, on était pris pour notre talent pur. Aujourd'hui, c'est pour la valise. Puis moi je me souviens, même jusque dans les années 2000, il y avait genre 8 et 9 équipes avec Skoda était encore en WRC. Et puis les grandes années, Mitsu, Subaru, Seat, Citroën, Peugeot, de front Ford. C'est ça, il y en avait quasiment une dizaine jusqu'au début de carrière de Loeb à Brouet. Et pour finir, une dernière question, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est il y a beaucoup de pilotes qui me disent effectivement, entre différentes voitures, vous en parliez, on n'a pas du tout les mêmes points de freinage, forcément les mêmes notes notamment. Donc c'est notamment Loeb ou Loubet qui me parlait entre une WRC et une Rally 2. Bon voilà, on adapte ces points de freinage. Là avec une Rally 2, bon vous, votre surnom c'est très populaire, c'est Freintard. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut freiner plus tard ou moins tard qu'avec une WRC ou une Porsche? C'est pareil, par après c'est une question de poids. D'accord. C'est qu'une question de poids, c'est l'inertie du poids qui vous détermine votre freinage. C'est ça. Une voiture de 1400 kg, elle ne freine pas au même endroit qu'une voiture de 1200. Une voiture de 1200, elle ne freine pas au même endroit qu'une voiture de 2000 kg. C'est ça. Et là, par exemple, vous freinez plus tard ou plutôt qu'avec une WRC ou c'est à peu près pareil? C'est pareil. C'est parce qu'il y a moins de puissance, mais le poids est inférieur aussi, sans doute, je pense. Non, c'est les mêmes à peu près pareil, ouais. C'est les mêmes poids. Globalement, ils sont tous à 1250 depuis pas mal de temps. Okay. Et une Porsche, ça freine encore plus tôt parce que ça fait 1400 kg. D'accord. Et donc, est-ce que c'est plus facile de passer d'une Porsche à la Fabia, à la Rally 2, ou l'inverse, en fait, quand vous alternez de l'un? Après, c'est pas un problème. Qu'un porte-flacon, on s'adapte. D'accord. À ce niveau-là, on s'adapte. Ça, c'est sans prétention, mais on s'adapte très vite. Le problème, il n'est pas là. Le problème crucial, c'est l'adaptation à la route. D'accord. C'est tout. S'adapter au format de la route, aux cordes, pas cordes. C'est plus important que tout. C'est plus important qu'une séance d'essai, que tout. Et aujourd'hui, les gamins l'ont compris. D'accord. Ils font des essais. Mais ils bossent sur toutes les vidéos. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, le rallye correspond à vos attentes jusqu'à présent, avant le départ. Est-ce que vous imaginiez comme ça? Moi, je savais que ça allait être très dur. Maintenant, je savais pas qu'il allait pas avoir aussi peu d'erreurs. D'accord. Ils étaient aussi forts, aussi bien préparés. C'est ça, parce que vous avez fait des bons chronos sur certaines spéciales, mais comme vous dites, beaucoup de pilotes sont très réguliers grâce au fait qu'ils connaissent les spéciales par cœur, en fait. Ils connaissent par cœur. Allez, moi, merci beaucoup, François. Bon alors, après ce week-end à découvrir le rallye du Monte Carlo, après avoir traversé pas mal de montagnes, pas mal de routes avec le Kamiq Monte Carlo et la Fabia Monte Carlo. Aujourd'hui, on est remonté en Fabia. Alors la Fabia que j'avais bien essayé. Et c'est vrai que même sur ces petites routes de montagne, c'est plutôt agréable. Donc on finit ici au col de Turini. On a des petits feux comme ça là pour se réchauffer parce qu'il fait vraiment très très froid. Il y a encore quelques voitures qui passent. Merci à Skoda pour cette invitation et cette balade à découvrir vraiment un rallye dans le froid, puisqu'on avait déjà fait un rallye dans le chaud. Et ben là c'est une toute autre ambiance, mais on voit qu'il y a quand même vraiment beaucoup de monde qui est encore là. Et là voilà.
Les Skoda sont vraiment cool. J'adorerais pouvoir essayer une Skoda de rallye. Je pense que ça doit être très très cool. François Descours, merci pour cette interview et cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains essais. Allez, ciao.